moi je voulais parler de ce que j'ai vécu ces derniers jours et notamment hier. Donc, par exemple, Flo, Clémence et Sylphane sont venus discuter chez les voisins et on était là à ce moment-là où justement on parlait des vidéos, de comment ça allait se passer. Et en fait, donc, moi j'ai vu chez moi, enfin, que j'étais traversée par une entité qui en fait avait très peur que le masculin se révèle parce que elle voyait déjà que ce masculin croyait que se révéler c'était soit secouer le féminin, soit crier, s'affirmer en criant et tout ça. Mais en fait, moi je sais par exemple que quand je crie, c'est que je suis traversée par une entité que je ne canalise pas autrement que comme ça. Donc en fait, c'est pas moi, c'est une entité. Et en fait, cette entité, elle avait aussi peur que le masculin se révèle. Bon, même si là, c'était dans ce cas-là. Mais si, admettons que le masculin se révèle de façon équilibrée, elle a peur parce que soit elle a l'impression que, donc soit il va la dominer. Parce qu'elle croit que l'équilibre masculin-féminin, c'est ça, c'est le dominant masculin et le féminin soumis, ou inversement, hein. Attention, c'est pas que, je parle pour mon cas qui est féminin, mais je sais que chez les masculins, il y a aussi la peur que le féminin se révèle, parce que franchement, assumer les émotions ou les choses qu'on peut ressentir et tout ça, ça fait peur. Et donc, il y avait ce côté-là, et aussi le côté que ce féminin, s'il n'est pas dominé par le masculin, il a peur, parce que pour lui, il n'existe pas. Il ne peut pas exister autrement que par le conflit avec le masculin. Voilà ce que j'ai vu moi, ou de ce que j'ai vécu avec Dams et de ce qu'on a pu parler, que j'ai vu qu'il était là. Voilà ce que j'avais à dire et ça va mieux. Ouais. Mais en tout cas, ce que je veux dire, ça va mieux, mais je sens que c'est très costaud quand même ce truc, parce que moi-même, en tant que féminin, quand je ressens des trucs comme ça, eh bien, je me juge de ce que je ressens et je culpabilise de ressentir ça, ou je lutte, ou... Et du coup, bah, c'est parti que hier, bah, à un moment donné, je suis partie, parce qu'en fait, je n'en pouvais plus, je luttais avec ce que j'avais, et en même temps, c'était quelque chose de très fort qui traversait. Donc du coup, bah, j'ai été crier et pleurer très fortement, dans mon lit, tranquillement, voilà. Et après, je suis revenue, mais... Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas dit ce que j'avais compris, puisqu'en fait, j'ai compris que ce matin. Alors, il faut dire que, de mon point de vue, c'est très compliqué de trouver le juste milieu, tout en sachant qu'on est traversé par une multitude d'entités et que c'est très difficile d'arriver à discerner le moment où on est vraiment soi. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, c'était même pas toi qui prenais cette information, toi, Margie, mais c'était cette entité sur cet autre plan qui prenait cette information et que ça faisait peur de devoir changer de direction. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, depuis le mois de janvier, j'ai mal au coude, comme une tendinite ou le tennis ball, là. Elbow, voilà. Et donc, moi, je me disais, bon, après avoir lu Jacques Martel, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette douleur? Et en lisant, il n'y avait pas trop de choses qui me parlaient, hormis le fait de porter beaucoup de poids. Et aussi, c'est la flexibilité avec le changement de direction. Et donc, ce matin, je me suis replongée encore sur cette enquête du coude qui va beaucoup mieux, mais la petite douleur, elle persiste. Et cette douleur, ben, elle est gênante. Donc, s'il y a une gêne, forcément, il y a une quête pour que ça se résout, quoi. Donc, je comprends que mon corps m'exprime quelque chose que je dois conscientiser. Et en effet, je pense que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, notamment dans notre groupe, parce que nous savons que nous ne sommes pas les ennemis des uns et des autres, mais qu'il y a une multitude, une foule d'entités qui passent à travers nous, et que ces entités, nous avons la capacité de pouvoir entrer en communication avec elles. Seulement, avant d'entrer en communication avec elles, ben, faut d'abord jouer le jeu, sinon on ne peut pas voir l'entité qu'on transporte. Et donc, pour revenir au coude, je comprends que toutes ces résolutions, ben, elles se font actuellement, parce qu'on est capable de se laisser traverser par ces informations-là. Mais à la fois, ça nous coûte, hein, parce que ben, par moment, on pourrait penser qu'on va perdre la boule, mais pas du tout.
On n'est pas du tout ni schizophrène ni quoi que ce soit. C'est juste qu'on a conscience que, ben, comme des chamans font à réceptionner des entités, ben là c'est la même chose, mais on le fait de façon consciente. Et donc aujourd'hui, nous travaillons sur ces réparations karmiques qui viennent de lignes temporelles ancestrales, voire même originelles, parce que moi, mon coude, il me dit changement de direction. Et d'arrêter aussi de porter ce poids. Et le poids, c'est quoi? C'est le poids du passé. Et connaissant mon âme et mon cheminement avec la création du réseau Léo et de tout ce qu'on a fait avec Génaël, ben pour moi, c'était important que le groupe ben, se réveille à lui-même et que chacun prenne sa place, prenne sa position. Et pour que ça se fasse, ben, il faut aussi traiter ben, tous les maux MAUX, tous les maux du passé qui sont peut-être même pas forcément les nôtres, mais parce qu'on a la génétique adéquate, on peut réceptionner ces informations pour pouvoir les dépasser. Donc le poids, c'est ben voilà, que chacun prenne sa place et qu'il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas d'erreur. Et on est tous là pour apprendre de tout ce qui nous traverse. Ouais. Mais c'est vrai que parfois, moi ce qui me traverse, c'est aussi le truc de me sentir pas capable de réceptionner ça. Et en fait, après, quand je reviens à moi et que je fais confiance à mon soi et que j'ai foi en mon soi et tout, et bien en fait, là, je sais que je suis capable, sinon je ne serais pas là. Mais c'est vrai que c'est très dur dans ce moment-là. Mais ça se fait. Et en fait, je comprends au niveau physique. Moi, c'est depuis quelques temps que j'ai la voix faible. J'ai dit... Tu peux plus crier. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, ça m'invite à me reposer au niveau de la voix, effectivement, parce que là, c'est plus le moment de se laisser déborder par ces entités, juste les voir, ok, les laisser traverser, mais pas qu'elles prennent le contrôle de ma vie, ce qu'elles faisaient ces derniers temps. Et aussi, ça montre aussi, donc ça peut être soit aussi hormonal, donc ça, toujours par rapport au féminin, au travail du féminin, moi c'est ce que je comprends comme ça, et ça vient aussi de la faiblesse de la rate, parce que moi j'ai une rate qui est faible. Et en fait la rate c'est un lien avec la mère. Donc je sais que je suis en train de traiter ça parce que ben, ce que je comprends c'est quand on est des chamans et que ben, par exemple moi j'ai aussi la partie qui a Masutum, donc qui a ben, qui est une responsabilité dans l'humanité, dans la création de l'humanité et de ce qu'elle a pu générer par rapport au programme humain. Et bien en fait, je comprends. Enfin, quand j'étais voir la rate, j'ai vu que c'était le fait de se. Un peu, quelque part de s'en vouloir, d'avoir raté quelque chose, de ne pas avoir été au bout de quelque chose. Et donc, je comprends que ben, en fait, là, je suis là pour aller au bout de cette déprogrammation que j'ai entreprise sur moi-même et qui se répercute sur tous mes haltères de toutes les dimensions et qui remonte après jusqu'au soir. Voilà, donc finalement j'ai pas raté grand chose, mais donc je veux dire c'est en cours quoi. Voilà, donc c'est vrai que de ce point de vue, quand on voit ce point de vue là, et bien c'est là que c'est génial, ça aide à sortir du truc. Eh oui, prendre de la hauteur. En fait. Ouais, c'est ça. Sortir du jeu. Oui. Du jeu, parce que ouais, le jeu, il est... J-E. Il est en bas, quoi. Tandis que quand on prend de la hauteur, on peut observer tout ce qui nous traverse. Ouais. Donc c'était un peu rapide ton explication, mais c'était... toi, quand tu t'es fait traverser, enfin, t'as accueilli cette entité, comme tu dis, et qu'après, ce matin, t'as compris... Et donc, c'était vraiment, du coup, en toi, que par cette entité, elle en voulait vraiment Adams, c'est comment, c'est... Ah non, cette entité, elle en veut pas au masculin, moi, par exemple, eh ben si, j'en voulais au masculin dès qu'il faisait une remarque sur ce que je faisais, mais en fait, ça me permettait d'avoir une posture, ah ben c'est bon, vas-y, fais ton truc, et ben t'as qu'à virer ce que j'ai fait, c'est pourri. Tu comprends? C'est une posture de vouloir, comme si elle voulait être maltraitée ou toujours rester dans sa case, ben, elle ne sait pas faire. Parce qu'elle ne connaît que ça.
Mais c'est pas le masculin qui la met dans cette case, c'est elle-même qui s'y met. Oui, qui ce qu'elle fait elle-même. Et moi, je me suis mis moi-même dans une posture où, en fait, j'avais toutes les raisons de lui en vouloir parce qu'en fait, je mettais tout en place pour lui en vouloir. Voilà. Et donc, ça a mené à la division entre nous. Mais moi, Margit, si je reviens à moi, je sais que on s'entend, on n'est pas ennemis. Je crois pas qu'il va m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Enfin, tu vois. Mais cette entité, elle croit que si. Et du coup, elle se met dans une position mythique. C'est-à-dire que elle pouvait me faire dire, ah ben c'est bon, moi je ferme ma bouche là, c'est clair, je ne dirai rien. Voilà. C'est ce qu'elle. Oui, ce qu'elle faisait croire, ouais, que ouais. Elle était obligée toujours de. C'est ce qu'elle me faisait croire. Pas là, ouais. Ouais. Mais je sais que c'est pas que moi, je sais que c'est un féminin qui est comme ça, une entité féminine qui est comme ça. Et j'accueille une entité que je ne voulais pas accueillir parce que déjà je ne la voyais pas. Parce que je ne la voyais pas du tout. Mais alors pas du tout. Et du coup, elle, pour se montrer à moi, elle me montrait de la querelle avec le masculin parce que c'est lui qui est le parfait miroir de ce que je porte. Comment elle pouvait contrôler ma vie en jouant dans ces jeux, parce qu'on ne peut pas savoir qu'on est dans le contrôle si on ne fait pas quelque chose de contrôlant. On ne peut pas le savoir avant d'avoir fait la chose, entre guillemets. Pour ma part, alors moi je suis traversée par une entité qui ne veut pas lâcher le contrôle et qui a très 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 peur de rater le train et ne veut pas lâcher l'aspect financier. Parce que le financier pour elle c'est le monde 3D, c'est ce qu'elle connaît, c'est... Comme ça, elle est sûre de ne manquer de rien. En fait, je traverse des peurs du manque de cette entité, mais qui a vraiment très, très peur. Qui a tellement peur que, elle s'est mise avec quelqu'un, et elle est sûre avec Fred, et elle est sûre de ne manquer de rien, parce que Fred, c'est quelqu'un qui a les moyens. Mais moi, ça, je ne le savais pas, parce que ça fait des années que je la porte, cette entité, et cette entité, elle est là, si je fais le récapitulatif, depuis ma naissance. Alors, comment elle est venue, cette entité? Cette entité, elle est venue par des brèches dans mon ADN, et dans mon ADN, j'ai pris beaucoup de claques dans mon enfance, mais des bonnes claques. Ou si je ne les prenais pas, en visuel, j'avais des scénarios catastrophes de mes frères et sœurs. Et ça, c'est tout aussi traumatisant que de se prendre des baffes soi-même. Et ce sont autant de portes par lesquelles une, deux, trois entités entrent. Bon, maintenant on arrive à la fin des temps, ces entités, elles veulent être vues. Elles ne veulent pas me gâcher la vie, elles veulent être vues pour surfer sur la vague et justement, elles aussi changer. Et une de ces entités qui rentrait par une porte très traumatique était logée dans le subconscient, mais à un niveau de profondeur, j'arriverai même pas à vous le décrire tellement que je suis descendue dans l'escalier très très bas, très très bas. Et dans cette densité-là, ça tourne très lentement. Les atomes, tout ça, je ne sais même pas comment l'expliquer, c'est le mieux que je puisse vous dire, c'est que c'est très lent dans cette densité, dans cette profondeur. Et quand je ne voyais pas cette entité, Fred a dit stop, ça suffit, là, il faut que tu ailles voir ce qui t'habite, parce qu'à un bout d'un moment, même lui n'en pouvait plus, il souffrait de cette relation entre nous. Eh bien, j'habite depuis quelques jours au grenier. C'est-à-dire que je retourne dans mon enfance. J'habite avec ma sœur qui est Isis Marie. Dans une autre ligne de temps, c'est ma sœur. Et je revis ces lignes de temps traumatiques. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et l'ange fait bien les choses. Hein, il me remet dans les mêmes situations que mon trauma d'origine. C'est-à-dire, ça se passait dans la chambre avec tes sœurs, où ton père y rentrait, c'est Fred qui va le jouer. Et quand Fred va rentrer dans la chambre, il y a des pensées en moi qui me disent « Non, sors, sors. » La petite fille en moi lui dit « Sors de la chambre parce qu'on va se faire fracasser. » Mais ça dure une fraction de seconde. C'est des choses que si on ne les capte pas en soi, on ne peut pas s'en guérir.
si on fait, allez, j'efface, c'était pas ma pensée, ben on peut pas s'en guérir. Et donc, à chaque fois qu'il rentrait dans la chambre et que là, cette pensée, cette petite fille, elle disait non, sors, ben là, c'était à moi de redescendre dans mes strates de profondeur, les portes, quelles étaient les portes qui étaient ouvertes à moi, par lesquelles rentraient ces entités qui voulaient être vues. Et là, c'est pareil, ben là, le travail chamanique consistait à justement voir en soi le rejet que l'autre peut nous montrer, pleurer, parce que là, on est de nouveau dans la peau d'une petite yakoute qui a, je ne sais pas, 4, 5, 6, 7 ans. Enfin, toutes les sphères où elle s'est... De toute façon, voilà, je me suis fait battre longtemps, ça n'a pas duré une semaine. Et je revis toutes ces strates de petite moi, et qui en veut, mais à un niveau colossal au père. Pour elle, le père, un père de famille, pour moi, pour elle, pour toutes mes autres petites moi, il n'est pas bienveillant. Il n'a jamais été bienveillant. Alors quand je vois un Fred qui est super bienveillant avec Isis Marie, toutes les autres moi me disent non, c'est pas possible, il joue à un jeu, c'est faux là. Parce que le père de famille, elle va se prendre une claque. Sauf que lui, il n'a jamais frappé Isis Marie, il n'a jamais élevé le tout. Enfin, il a toujours été correct. Et moi, je ne voulais pas accepter ce qu'il me montrait lui. C'est parce que j'avais cette force croyance du fait de mes traumas que c'est pas possible qu'un père de famille puisse être bien. C'est pas possible. Donc déjà, il a fallu que j'aille toucher cette croyance en moi, mais bien engrammée. Les pères de famille, c'est tous des connards. Excusez-moi de dire ça à la vidéo, mais c'est ce que ressentaient toutes mes petites filles en moi. Qu'un père de famille, il n'est pas bien. Déjà, il a fallu que je déloge cette croyance. Et après, j'ai pu accueillir les multiples traumatisés en moi, ce qui se fait encore, hein, parce que je ne sais pas si c'est terminé, j'en sais rien. Mais enfin bref, je les accueille et je les laisse pleurer à travers mes yeux. Elles utilisent mes yeux pour pleurer, pour se libérer des traumas qu'elles ont subis à 4, 5, 6, 7 ans, etc. Et c'est à travers moi qu'elles peuvent se guérir. C'est à travers moi que cette entité n'utilise plus ses portes, parce qu'elle utilise les portes de la peur, parce que j'ai très peur quand je ressens une partie de moi. J'ai peur. Je tremble de tout, oui. De tous mes membres. Tu ressens. Je ressens cette petite fille. Voilà, je la ressens. Quand tu avais peur. C'est ça. Je suis projetée sur cet âge-là, 4-5 ans, mais je tremble. J'ai ces sensations à elle, de son époque à elle. Et oui, voilà. Sauf que du coup, tu revis ces sensations, mais tu n'as pas les mêmes. Je veux dire, tu ne vis pas les mêmes choses en réalité. Non. Mais tu es obligé de passer par ces sensations-là. Et tu as l'impression que c'est ça que, par exemple, Fred te joue quand il entre dans la chambre ou quoi, ou qu'il va jouer, alors qu'en fait, ce n'est pas la réalité. Mais, tout à fait. Voilà. Et donc, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que les prédateurs nous font croire que c'est la même chose. Quand on n'arrive pas à voir la... qu'on est juste ça. Dans la blessure et qu'en fait il y a juste ça à voir et après c'est bon. Alors que c'est faux. Il n'y a pas que la blessure. La blessure c'est la porte. Et après le reste c'est imagé, c'est subjectif, c'est utilisé par le prédateur. Et ça, c'est là où si on voit la porte d'entrée, on guérit la petite yakoute qui tremble, la porte elle se ferme. Oui, voilà, la porte est fermée, le prédateur ne peut plus rentrer. Oui, parce qu'après tu reviens à toi et du coup tu vois bien que c'est pas ça la réalité. Tout à fait. Et je lui parle à cette petite yakoute, je lui dis regarde là, t'es bien, t'es en sécurité, il n'y a personne qui te frappe. Je me parle à moi-même et c'est comme ça que je rentre en contact avec mon intérieur. Quand il y en a qui disent je ne sais pas comment faire pour rentrer en contact avec mon intérieur, c'est de cette manière-là, c'est-à-dire de se parler à soi-même. Il n'y a personne qui va me jouer le rôle de yakoute dehors, elle est dedans. Elle tremble, elle est dedans. C'est à l'intérieur que je me parle à moi-même et que je dis, regarde, là, t'es bien, bon, t'es au grenier, ok, t'as un lit, t'es au chaud, tout va bien, ok, on te fait croire subjectivement qu'il te joue le rôle de ton père, mais en attendant, Fred, il n'a jamais levé la main sur toi, ça se passe sur ta ligne. Ici, sur la mienne, tu peux guérir et c'est fini. Et donc, les portes d'entrée par lesquelles rentre cette entité que j'arrive à maintenant à bien voir puisqu'elle veut pas rater le train, c'est une acné sur deux pieds, quoi. Comment ça elle est très spéciale, elle est spéciale, je ne peux pas dire autrement. Elle a deux jambes et elle a un ADN d'araignée.
Elle ne me montre pas tout son visage, parce que peut-être que je vais faire... Mais elle me montre l'essence de ce qu'elle porte, et elle porte ça. Elle est sur deux pattes, et elle a cette essence forte d'araignée. Et elle aussi, elle ne veut pas rater. De mon point de vue, elle est... Voilà, Elle a l'art de régner. Comment? Elle a l'art de régner. Elle a l'art de régner. C'est pour ça qu'elle a peur de lâcher le contrôle. C'est ça. Puisqu'elle a peur de prendre le train, parce que... C'est ça. De rater le train, plutôt. Mais elle est en train de le prendre, cela dit, hein, parce que ces derniers temps, tout se met en place dans ma bulle pour que je vois sa peur. Et comme tu sais que je passais les commandes pour nous, et ben il n'y a rien qui se met en place. Mais de quoi pleurer, hein. Et j'ai donc compris que à travers cette commande qui ne venait pas, je pouvais accueillir la peur de cette entité qui avait peur de manquer de nourriture, qui avait peur du manque, qui avait peur de ne plus avoir d'argent. Ouais. Ou alors que ça manque pour les autres aussi. Et aussi ça, mais plus pour elle. Parce que quand même, elle est, tu sais, c'est d'abord comment je vais faire moi pour survivre. Et c'était pareil qu'avec la petite fille. C'est-à-dire que je l'ai accueillie. Et là, les fréquences ne sont pas du tout la même qu'avec la petite fille qui tremble. La petite fille, tu parles de toi, petite fille. Toi, petite fille, voilà. Moi, petite fille. C'est-à-dire que un soir... J'ai pu ne pas la juger à travers ce qu'elle me disait dans mes pensées. Ça veut dire qu'elle me disait « Là, tu m'entends? Là, tu comprends que j'ai peur ?» Et moi, je dis « Oui, je t'entends. »« Tu comprends que j'ai peur ?» Et là, je ressens un paquet de peur. On ne peut pas décrire. C'est-à-dire que là, elle me fait vivre toute sa peur de ne pas rater le train. C'est-à-dire qu'elle, elle veut régner. Voilà. Et ça, je lui explique « Tu manqueras de rien là où on va. » Donc, fais confiance. Elle fait confiance puisqu'elle passe à travers moi, puisque je la vois. Mais en faisant confiance, il est nécessaire pour elle de lâcher toutes ses peurs à elle aussi, c'est-à-dire pleurer à travers moi, se libérer de tout ce qu'elle connaît elle aussi, parce qu'elle se libère de l'ancien, du règne. C'est ça qu'elle se libère. Et c'est pour ça que rien n'a pu se mettre en place. Et quand je l'ai vue, le lendemain, tout se mettait en place... sans contrôle, sans rien. Parce que c'est ça qu'elle doit apprendre à lâcher, le contrôle. Et le contrôle des entités psychiques, c'est ça qu'elles veulent qu'on voit à travers nous quand elles viennent. C'est « aidez-moi à lâcher le contrôle. Pour changer de voie, il faut que je lâche mon contrôle. » Donc l'ange, il va mettre une espèce de situation, mais calibrée pour toi en fait, hein, pour que tu puisses lâcher le contrôle et faire confiance. Parce qu'à chaque fois, je lui dis, fais confiance. Et elle, il n'y a pas la commande, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, elle pleure, fais confiance. Mais c'est parce que toi, tu as confiance en ton soi, oui. Qu'en fait, c'est ça. Voilà, et elle se manifestait à travers ma psyché pour me dire « Non, mais on va appeler la personne pour lui dire où s'en est la commande. » Elle me le disait une fois, puis deux fois dans la journée, puis trois fois. Si moi, j'écoute son scénario, elle me montre déjà sa peur, donc je valide sa peur. Donc je lui disais « Non, on va pas appeler puisque ça va aller. » Et donc, le fait que je n'acte pas son contrôle de vouloir appeler la tierce personne qui devait nous livrer... Mais que tu joues pas son jeu, quoi. C'est ça. Mais que je vois qu'elle ait peur... Et au bout d'un moment, elle vient, elle s'installe et elle me dit « Prête-moi tes yeux » parce que là, j'ai envie de pleurer et la commande, elle n'arrive toujours pas. Donc, elle pleure et elle fait confiance, en fait. C'est comme ça qu'elle fait confiance parce qu'elle se dit « Ah, elle m'a vu. Elle m'a vu et elle ne joue pas mon jeu. » Donc, voilà. En fait, j'aimerais savoir ce que tu entends par « entité ». Entité, c'est des...
personnes visibles ou pas visibles, des êtres qui habitent d'autres densités. Mais ça peut être toi, petite, et c'est aussi un être, tu vois. C'est une part de toi, en fait. Une entité, c'est une part de toi. Alors, à tort dans la psyché, entité égale négatif, égale monstre, égale dragon. Entité, c'est un ensemble. Okay. C'est ce qui compose l'âme. Et l'âme, elle a des couleurs où elle est bleue dans un monde, elle est verte et dragon dans un autre, elle est humanoïde, ben, arachnide dans un autre. Elle est plein. Et au plus on s'ouvre, au plus on a de moins en moins de jugement avec ces parts de nous qui se présentent avec des faciès complètement différents, mais vraiment différents. Mais personnellement, moi, je ne vois pas le faciès tout de suite de l'entité. Je vais percevoir une fréquence que je trouve, au premier abord, je vais la juger horrible, horrible. Donc je vais me dire, c'est quoi qui parle devant moi, là, quand tu vas me parler? Et je vais refuser. Mais après, des quelques secondes où j'aurai eu ce rejet, je vais me dire, mais non, mais là, il y a quelqu'un qui vient juste de te dire, coucou, tu me vois. Donc je l'ai vu, parce qu'il y a eu du rejet. Et c'est quand je travaille sur cette récapitulation et que je me dis, là, tu viens de rejeter quelqu'un, une entité, tu as perçu sa fréquence juste, parce que pour pas trop morifier, personnellement, moi, elles font comme ça. Elles me montrent une fréquence qui est très déstabilisante pour mon cerveau. Tout de suite, je me dis, non, je ne veux pas entendre ça. Et après, elle vient visuellement, et après, elle se montre de plus en plus dans les détails, des fois. Vraiment dans les détails, parce que je ne juge plus qu'elle a des trucs comme ça, ou comme ci, ou comme ça. En fait, moi, j'aimerais que tu m'expliques la différence entre les entités qui sont des parts de nous et ces entités qui nous possèdent depuis l'enfance et qui ont été déclenchées par des traumatismes. J'aimerais comprendre la nuance, hein, s'il y en a une. La différence entre les entités... Ouais. En fait, ouais. Donc... des entités, c'est des parts de nous, oui. Ça je le comprends. Donc ça peut être appelé alter, si je comprends bien. Oui. Et après, il y a des entités qui proviennent de mondes. Oui. En fait, quand on subit des traumatismes, on est dissocié. Oui. Et j'aimerais savoir si c'est des entités différentes que ce dont on appelle alter. Si. Parce que, alors, peut-être que il y a une espèce de jugement dans ce que tu me dis, c'est peut-être ça. Le ouais. fait d'avoir été dissocié par des traumatismes, mmh. ça a été des portes. Ouais. Et il y en a qui sont venus à chaque fois qu'il y a eu dissociation, parce qu'à chaque fois qu'il y a dissociation, traumatisme, la petite Leïla, elle s'en va, il y a quelqu'un qui arrive. Ouais. Et il y a une part de toi, peut-être, qui juge le fait que c'est des entités négatives. Ouais, et ouais. les autres, ce n'est pas des entités négatives. En fait, il n'y a pas de négatif ou positif. C'est des entités, point. C'est comme si, regarde, c'est comme si dans le monde, c'est comme, imagine l'âme, le monde, l'âme. Bon, il ne viendrait pas là tout de suite à l'idée de dire le japonais, il est naze, le brésilien, laisse tomber. Et l'italien, oh là là, au secours. Bon, ben l'âme, c'est ça. L'âme, c'est ça, 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 ça. L'âme, elle se dit pas, et le Brésil, non. Wow. Et notre cerveau, il fait ça, parce que notre cerveau, il est divisé. Il dit, non, cette entité, non. Okay. Elle, oh là là, pas question. Et elle, peut-être. Donc, les entités qui nous ont possédés lors de traumatismes, lorsqu'on était enfant, c'est des entités que l'on doit reconnaître comme des altères. C'est ça que tu dis? Oui. Thank you.
Oui, parce que c'est des parts de ton âme. Ouais. C'est des parts de ton âme. Après, tu peux l'appeler alter, entité, ce que tu veux, mais ça, elle fait partie de ton âme. Mmh. Et elle est venue spécialement, t'as vécu ce que t'as vécu, mais c'était déjà en vérité, j'ai envie de dire, inscrit. Parce qu'il y a autant d'entités qui viennent, parce qu'ils savaient que toi, maintenant, là, Leïla, maintenant, qui a la trentaine d'années, elle allait travailler sur 50 ans, que la Leïla de maintenant, elle allait travailler sur les parts d'elle-même. Donc, ben, tu t'es pris les traumatismes que tu étais capable d'encaisser maintenant pour pouvoir accueillir ces parts de toi. Tu vois ? Mmh. Ouais, ouais. C'est pas je m'en suis pris plus ou moins, ça on s'en fiche. Mmh. C'est juste que maintenant, tu es capable. Tu es calibré pour accueillir ces parts de toi qui sont fractalisées, quoi. Mmh. Sans jugement. Okay.